your right side. I kiss your front side. I kiss your back side. Ich küsse alles. Was an dir schön ist. Ich küss nur dich. Service d'étage, votre commande, monsieur. J'avais presque oublié. Voilà, je peux vous demander une petite signature. Attendez. Merci, monsieur. Il m'a pourtant donné l'ordre de lui téléphoner à 15 heures juste. Insistez, mademoiselle, il est forcément là. Monsieur Donat, il est 15 heures, monsieur. Entendu, monsieur. Oui. Je prépare votre note. Agnès, je ne peux pas rester plus longtemps. Je dois rentrer à Munich. Il faut que je m'occupe de mes affaires. Tu me laisses tomber comme une vieille chaussette. Alors, viens avec moi. Allez, habille-toi. Je te conduis jusque chez toi et tu fais tes valises. Ingo. Tu crois que je veux te perdre? Je suis là depuis une semaine, il faut que je rentre. Il s'est passé tellement de choses entre nous. Viens avec moi. Tu veux que je laisse tout ce que j'ai ici? Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu as à perdre? Rien. Rien du tout. Les jours que nous venons de passer ont changé beaucoup de choses dans mon existence. J'ai peur aussi dans la tienne. Je n'arrive plus à imaginer la vie sans toi. Est-ce qu'il est là? Non, je pense qu'il est au bureau à l'heure qu'il est. Tenez. Merci, monsieur. Allez, en route. Il faut que tu l'appelles pour tout lui dire. Je ne veux pas lui parler, je vais lui laisser une lettre. Non, non, ça ne se fait pas. Tu dois lui dire de vive voix. Allez, téléphone. Et dis-lui ce qu'il y a entre nous. Et que tu as pris ta décision. Tu dois le faire. Grosseur, brigade criminelle, j'écoute. Ici Agnès Ekel. Monsieur Grosseur, je voudrais parler à mon mari. Ah, bonjour. Je suis désolé, il n'est pas là pour le moment. Un instant. Il arrive à la seconde. C'est votre femme. Ah. Allô, Agnès. Allô, Alfred. Je t'appelle pour te dire... Grosseur est encore dans ton bureau? Oui. Demande-lui de sortir. Pourquoi? Parce que... Grosseur. Vous pouvez me laisser une minute? Oui, bien sûr, commissaire. Agnès?
Qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle pour te dire quelque chose. Je viens de faire mes valises. Je veux te dire que je te quitte, Alfred. Je m'en vais d'ici. Je vais à Munich. Quand je serai là-bas, je t'expliquerai tout dans une lettre. D'où appelles-tu? De la maison. Alors ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Non, je t'en prie. Grosseur. Grosseur. Commissaire, je dois m'absenter. Il n'y a rien de grave au moins. Non, non. Il arrive. Je ne peux pas le voir, je ne peux pas lui expliquer. Allons, calme-toi. C'est un moment difficile. Après, tu te sentiras mieux. Je suis avec toi. Je serai dans la voiture. Je vais en profiter pour mettre tes valises dans le coffre. Part pour Munich. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Agnès? Depuis que je suis rentré de ma dernière mission, tu as complètement changé. Je ne te reconnais plus. Il y a certainement une raison. C'est un homme. Si c'est ça, j'ai le droit de le savoir. Il faut que tu me le dises. Oui, j'ai fait la connaissance de quelqu'un. Je suis tombée amoureuse de lui. J'aime cet homme et je m'en vais à Munich avec lui. Je suis désolée. Je voudrais te dire pourquoi, mais je n'ai pas de réponse à cette question. Qui est cet homme? Est-ce que je le connais? Bonjour, commissaire. Tu parles de cet homme-là? C'est moi qui ai demandé à Agnès de vous téléphoner et de vous attendre pour que nous ayons une explication. Non, c'est pas vrai, Agnès, c'est pas lui. Je sais très bien ce que tu vas dire, mais je l'aime et je veux partir avec lui. Tu sais qui c'est? Oui, je le sais. Non, tu n'en sais rien. Regarde-le bien, c'est un homme que j'ai envoyé 3 ans en prison. Tu ne m'apprends rien. Depuis quand êtes-vous sorti? Ça va faire 6 mois. Et vous habitez où? À Munich. Je me suis établi là-bas à ma sortie. Qu'attendez-vous de ma femme? Comment vous êtes-vous connu d'abord? Agnès, qu'est-ce que ça veut dire? Vous permettez une seconde? Je passais à Augsbourg pour affaires. Quand je me suis souvenu qu'à une époque, j'avais eu affaire au commissaire Eckel. Je voulais juste que nous bavardions tous les deux de mon affaire. D'autant que j'ai été inculpé et condamné à tort. Vous n'étiez pas là, mais votre femme, elle, était là. Je n'ai pas perdu vos chances. Est-ce que tu es devenue folle, Agnès? Cet homme est un malfaiteur et il ne changera jamais. Aucune femme ne peut aimer cet homme. Reprends-toi, Agnès, pour l'amour de Dieu, reprends-toi, je t'en conjure. Laisse-moi, tu me fais mal. C'est plutôt à vous de vous reprendre. On a fait ce qu'on a pu, ça ne sert à rien. On ne peut pas raisonner quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Partons, chérie. Bonjour, Stéphane. Et Kel. Stéphane. Qu'est-ce que tu fais à Munich? Quelle bonne surprise. Tu es en déplacement ou bien en vacances? Non, ni l'un ni l'autre. Je suis venu spécialement pour te parler. Ah, d'accord. Je te présente mon collaborateur. Les présentations ont déjà été faites. Oh, te revoir, moi, ça me rappelle de bons souvenirs. On a fait les 400 coups tous les deux. Dis-moi, tu veux boire quelque chose? On ferait mieux d'aller à la cantine. Non, merci. Stéphane, j'ai besoin de ton aide, de tes conseils. Ah. Je ne sais plus ce que je dois faire. Ah, très bien. Attends. Bon, assieds-toi. Merci. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? C'est un peu personnel. Vous voulez que je sorte? Non, ne bougez pas. Stéphane, ma femme m'a quitté du jour au lendemain. Tu vas me dire que c'est banal, je sais. Seulement, ça n'est pas aussi banal que ça.
Ma femme a fait la connaissance d'un homme dont elle dit être tombée amoureuse. Au point que du jour au lendemain, elle a décidé de partir vivre avec lui à Munich. Stéphane, j'ai eu affaire à ce gars il y a peut-être 3 ans. Cet homme est un malfaiteur. Il s'appelle Ingo Donat. Il tenait un cabaret à Augsbourg et il a été plus ou moins mêlé à des affaires de drogue, associations de malfaiteurs, proxénétisme et j'en passe. Je dirigeais l'enquête qui a abouti à son inculpation et à sa condamnation à 3 ans de prison. Je n'oublierai jamais le regard qu'il m'a lancé quand le juge a prononcé la sentence. Il m'a regardé avec tant de haine que j'ai su qu'un jour, j'entendrai parler de lui. Il était devenu un ennemi. Il a été libéré il y a 6 mois. Et il y a quelque temps, il est revenu à Augsbourg. Il est venu chez moi pour me parler, soi-disant, mais je n'étais pas à la maison. C'est ce qu'il espérait. J'étais en déplacement. Il est tombé sur ma femme, avec qui il a fait connaissance. Et en une semaine, il a réussi. Elle est devenue folle. Folle de lui, il n'y a pas d'autre mot. Elle a fait ses valises et elle est allée vivre avec lui à Munich. Et tu penses que tout cela n'est qu'une vengeance contre toi? Mais bien sûr que c'est une vengeance! Stéphane, que puis-je faire? Dis-moi, est-ce qu'il n'est pas possible que tu te trompes? Enfin, je veux dire, peut-être que tu t'es fait une fausse idée. Mais je ne comprends pas, c'est moi qui veux atteindre. Il se fout pas mal de ma femme. Aide-moi. Donne-moi un conseil. Écoute, Alfred, tu sais aussi bien que nous que tant qu'il n'y a pas eu acte de violence, nous ne pouvons intervenir en aucune façon. Aucune? Aucune. Aucune. Bon, mais tu peux aller voir ma femme et lui parler. Tu peux essayer de lui faire comprendre qu'elle est dans le sale drap. Ce mec va la démolir, l'anéantir. Dis-lui ça. Puisqu'elle ne me croit pas, elle te croira peut-être. Je lui ai souvent parlé de toi. Ah, tu lui as parlé de moi, d'accord, mais je ne l'ai jamais rencontré. Non, non, écoute, Alfred, je t'assure, c'est délicat. C'est très délicat. Quand comptes-tu rentrer à Augsbourg? Je n'en sais rien. Je me suis mis en disponibilité. Bon, et où puis-je trouver ta femme? Tous les détails sont sur cette feuille. Donat tient un cabaret. Et l'appartement est au-dessus du cabaret. C'est facile à trouver. Je lui ai déjà rendu une petite visite. Pourquoi? Écoute, je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller là-bas? Oh, j'y suis pas allé pour faire un scandale. Je suis allé au bar. Et Donat m'y a vu. Pourquoi y être allé? Je ne veux pas éviter la confrontation. Il faudra bien qu'elle choisisse, lui ou moi. Stéphane. Vas-y. Je t'en prie, va parler à ma femme. C'est un peu triste pour lui. Seulement, rien ne dit que c'est une vengeance. Sa femme est partie avec un type. Et le hasard fait justement que ce type a une mauvaise réputation. Mais ça peut arriver. Et puis, peut-être aime-t-elle les hommes de mauvaise réputation. Fermé. On y va? Nous sommes fermés, messieurs. Alors, on peut même pas prendre un verre? Ce soir, je vous servirai ce que vous voudrez et autant que vous voudrez. À moins que vous ne vouliez voir le patron. Oui, mais seulement si le patron s'appelle Donat. C'est bien son nom. Bien. Alors, je vais l'appeler. Messieurs, vous désirez me voir? Oui, bon,
Bonjour, je m'appelle Derrick. Derrick ? Soyez pas inspecteur ? Exact. Et vous êtes de la brigade criminelle ? Brigade criminelle. Alors vous n'êtes sûrement pas en service, là. Non, effectivement, c'est une raison, disons, privée qui nous amène. Voyez-vous, un de mes amis... Non, en réalité, c'est plutôt un collègue, un commissaire de la police judiciaire d'Augsbourg qui m'a demandé de venir m'entretenir avec vous. Vous parlez de Haeckel ? Haeckel, oui. Vous n'imaginez pas combien cet homme me fait pitié. Ça fait 3 jours qu'il vient, mais sa femme, c'est bien d'elle qu'il s'agit. Oui, c'est bien d'elle. Mais vous savez qu'elle ne veut rien savoir. Non, j'ai beau lui dire. J'ai beau lui dire d'aller lui parler, de lui mettre les points sur les i, de lui expliquer, mais elle ne veut rien savoir. C'est terminé. Elle refuse toujours de lui parler. Quelle tristesse. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Chacun voit midi à sa porte. Ceci étant, est-ce que je pourrais aller parler, Madame Haeckel? Ah oui, bien sûr. Vous réussirez peut-être à la convaincre. Je vous montre le chemin, c'est en haut. Vous désirez monter tous les deux? Non, je vais monter tout seul. Ça ne vous ennuie pas que mon collègue m'attende ici? Mais bien sûr que non. Bello, demande à monsieur ce qu'il désire, c'est pour moi, par ici. Agnès ? Oui. Excuse-moi de te déranger. Ton mari a demandé à ce monsieur de venir te parler. Bonjour, Madame Haeckel. Je m'appelle Derrick. Je suis un collègue de votre mari. Oui, il m'a souvent parlé de vous. Mon mari doit me laisser tranquille. Je lui ai dit que je voulais me séparer de lui. Si je suis venue ici, c'est de mon plein gré. Je ne l'aime plus. Dites-lui que je suis désolée. Mais qu'il cesse de me harceler. J'ai pris ma décision et je ne reviendrai pas dessus. Est-ce que je pourrais parler seule à Madame Haeckel? Mais bien sûr. Ne t'en va pas, s'il te plaît. Agnès. Voyons. Madame Haeckel, savez-vous qui est ce monsieur? Oui, c'est lui-même qui me l'a dit. Je sais qu'il sort de prison, si c'est à cela que vous pensez. Bon sang, on joue pas le lac des cygnes. Les gens viennent pas ici pour ça. Du sexe, toujours plus de sexe. C'est tout ce qui les intéresse. Bon, allez, on reprend depuis le début. Soyez bandantes si vous pouvez, mesdames. Et j'aime Ingo. Pourriez-vous demander à mon mari de rentrer à Augsbourg? Entendu. Ingo ? Assuré ? Vous voyez, c'est l'histoire de deux êtres qui s'aiment. Et quel s'imaginerait-il autre chose ? Il pense que vous lui avez volé sa femme, et cela dans le seul but de lui rendre la monnaie de sa pièce. Écoutez, j'ai vraiment été condamné à tort, et je reconnais volontiers que nous ne sommes pas amis, mais dites-lui bien... qu'il se trompe sur mon compte. Dites-moi, c'est un bordel ici. Si vous voulez mon avis, le monde entier en est un. Vous ne trouvez pas? Passez nous voir un de ces soirs. Vous verrez, on s'amuse bien ici. Oui, si l'occasion s'en présente, nous verrons. Bien, messieurs. Oui, alors, merci encore. Au revoir. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'elle ne veut plus revenir avec son mari. Faudra bien qu'il s'y fasse. Haeckel ne lâchera pas Donat s'il est convaincu qu'il veut détruire sa femme. Et c'est bien l'intention de Donat, crois-moi. Mmh.
veux que je te dise ce que je pense? Elles y arriveront jamais. Qu'est-ce qui se passe, les filles? J'ai payé un maximum pour vous avoir. Alors montrez-moi que je ne me suis pas trompé. Perdre du temps et de l'argent, j'aime pas ça du tout. Avec ça, maintenant ça va aller. Tu parles. Elle veut rester avec lui? Oui. Tenez. Ah, et c'est ce qu'elle t'a dit? Oui. Et tu étais seul avec elle? Je te l'ai dit, je lui ai parlé seul à seul, dans l'appartement. Et elle n'était ni saoule, ni sous l'emprise de la drogue. Elle est son esclave. Et elle est sexuellement dépendante. C'est ce que je crois aussi. Et tout ça dans un but bien précis. Il veut en faire une pute et la mettre sur le trottoir. Il va la démolir. Son plaisir, c'est de m'humilier. On pourrait la sortir de là, de force. Quoi? Comment ça, de force? Je sais pas. Par un jugement. Oui, ou une attestation comme quoi elle a perdu la raison. Je sais, c'est idiot. Elle est à la merci de cet individu. Pourquoi n'attendrais-tu pas que ta femme... ait retrouvé ses esprits? Oui, qu'elle comprenne qu'elle est tombée sur un gars complètement pourri. Et qu'elle se trouve dans une situation absurde. Il faudrait que je rentre chez moi, que je m'assoie à mon bureau, que je reste là, attendre comme si de rien n'était, mais c'est hors de question, je ne bouge pas d'ici. Merci beaucoup pour ton coup de main, Stéphane. Salut. Par là. Ah, oui. Stéphane, il n'y aurait pas une solution, un moyen de l'aider? S'il existe, je ne l'ai pas trouvé. Il va aller au cabaret ce soir comme tous les jours. Encore là ce soir. Je sais, je l'ai vu. Soyez le bienvenu. J'espère que vous passerez une agréable soirée dans notre établissement. Désirez-vous la compagnie d'une de nos filles? Agnès? Agnès? C'est moi, tu es là, Agnès? Je sais que tu es là. Ouvre-moi cette porte. Agnès, c'est moi, ouvre! Agnès, tu veux ouvrir cette porte? Agnès, je t'ordonne d'ouvrir! Agnès! 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 Vous visitez la maison? Donnez-moi la possibilité de parler à ma femme, Donat. Je vous en supplie. 10 minutes. 5 minutes. Vous êtes pitoyable. Vous me suppliez. Je veux juste 5 minutes pour parler à ma femme, c'est tout. Bien. Je vais lui dire. Bonsoir. Vous avez gentiment invité, alors nous sommes venus. Et je m'en réjouis. Si vous cherchez votre collègue, il est là-bas. Ah, mais dites-moi,
Il a bien le grade de commissaire, oui. Hein, alors il a quelques hommes sous ses ordres, non? Oui, c'est juste. Ils ont besoin de lui à Augsbourg, non? Non, il a pris des vacances. Ah, et il comptait passer ici, dans mon cabaret. Il a raison, c'est très joli ici. Bonne soirée, messieurs. Harry, tu restes au bar. Alors, comme ça, vous êtes revenu. Hey. Et qu'est-ce qu'on lui sert, au monsieur? Qu'est-ce que tu fais ici? Il la séquestre, Stéphane. Il faut qu'on appelle des renforts et qu'on défonce la porte. C'est l'alcool qui te monte au cerveau. Elle est ici de son plein gré. Nous n'avons aucun droit. Stéphane, je suis monté. Elle est cloîtrée là-haut. Je l'ai entendu. Vous connaissez sûrement les goûts de l'âme. Merci. Je connais les goûts de tout le monde ici. Ah. Écoute, je trouve ça complètement idiot de passer ces soirées ici. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Donat est excité de me voir ici. C'est exactement ce qu'il voulait. Seulement, il se passe des choses ici. Votre femme de descendre pour vous parler, vous pouvez me croire. Agnès, accorde-moi quelques minutes. Seule à seule. Je te répète que je ne reviendrai jamais. Je ne veux pas. Crois-moi. Tu peux rentrer à la maison. Ne te couvre pas de ridicule. Agnès! Ça y est, vous lui avez parlé, alors maintenant c'est terminé. Je vous en sais, dites de me toucher, vous n'êtes qu'un sale petit malfrat, vous n'avez pas d'ordre à me donner. Allez, vous calme, vous deux. Alfred, ça suffit. Emmenez-le, on n'a pas besoin d'exciter chez nous, hein. Ne pas m'en vouloir, allez, Alfred, on s'en va, viens. Allez, ça ne sert à rien, viens. Espèce d'ordure, tu ne t'en tireras pas. Arrête, je vais le raccompagner à son hôtel, toi reste ici. D'accord. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce qui s'est passé? Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous connaissez cette femme? Vous êtes employé ici. Vous devez savoir qui c'est, non? Elle vit avec votre patron. Et l'homme qui voulait lui casser la gueule, bah, c'est son mari. À moins que vous ne soyez pas au courant de leur relation. Ceci, je suis au courant. Je veux savoir qui vous êtes. Oh. Bien, quelqu'un qui n'est pas indifférent à tout ça. Je ne connais que des gens qui se fichent pas mal de ce qui arrive aux autres. J'ai le droit d'espérer que vous ne serez pas indifférent si je désire un autre verre. Bon, et maintenant, essaye d'aller dormir. Je t'appelle demain. Reste un peu. Je t'en prie, quelques minutes. Oh. Bon, d'accord. Désolé, Stéphane, je crois que j'ai perdu mon sang-froid. Ça ne m'était encore jamais arrivé. Oublions ça. Tu sais, j'aime toujours ma femme. Notre couple ne me semblait pas en péril. Bien au contraire. Je pense que... il a dû se produire un déclic en elle. Il lui manquait peut-être quelque chose avec moi, qu'elle a probablement trouvé avec lui, sexuellement parlant. Peut-être que rien ne lui manquait. Le goût de l'inconnu? C'est possible. Et maintenant, elle ne peut plus se passer de lui. Oui, et contre ça, on ne peut rien faire. Rien. Deux hommes, une femme. Et c'est moi le perdant. Oh, je pourrais encore les supporter. Dans d'autres conditions. Si j'étais certain qu'il ne faisait pas tout ça pour se venger.
Donat va la démolir. Rien que pour me faire payer. Moi, c'est moi qui le vise. Parce qu'à cause de moi, il a été condamné. Pour des méfaits qu'il a réellement commis. Mais j'y peux rien. Rien du tout, comme tu l'avais si bien dit. Mais je ne comprends pas ce genre de réaction, ça n'a aucun sens. Tu en veux un? Non, non, c'est gentil, mais je ne tiens plus debout, je ne vais pas rester très longtemps. Comme tu veux. À la tienne. Alors, est-ce que cette soirée vous a plu? Oh, ouais, ça a été. Et Simone est une gentille fille. Simone, oh, je ne me fais pas trop de soucis pour elle. Oh, moi non plus. Elle se trouve toujours quelqu'un pour la ramener chez elle. Ce qu'elle fait dehors, c'est son problème. Ça nous est égal. Je sais qu'elle aime bien les gens avec qui elle peut discuter. Elle fait de l'insomnie. Alors, je dois appeler un taxi? Mesdames et messieurs, notre programme est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé une bonne soirée. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons à tous une bonne nuit. Oui, bien sûr. Je ne lui ai jamais assez montré que je l'aimais. Tu sais comment c'est avec le boulot? Je me suis fait envahir par le travail. Et pourquoi, hein? Pour rendre le monde meilleur qu'il ne l'est. Mais est-ce que nous réussissons à le rendre meilleur? Non, jamais. Bon, je crois qu'il est temps d'aller te reposer. Nous finirons par trouver une solution, tu verras. Ouais. Faites pas attention au désordre, c'est normal chez moi. Ouais, très bien. Je porte pas quand tout est bien rangé. Mmh. Ouais, ça correspond à mon humeur intérieure. Ah, je vois. Ça vous dit un café, hein? Vous en voulez? Oui, merci. Et si vous le trouvez trop léger, on peut y mettre de la vodka. Ah, ça, c'est une excellente idée. Elle est dans le frigo. Vous la ramenez? Ah, il est là, le frigo. Ouais, ouais. Directement à portée de la boîte. Comment vous la trouvez, au fait? Quoi, la vodka ou la boîte? La boîte. Rien de particulier. Mais, là, vous avez raison. Où il y a des choses particulières. Oui. Au fait, ça fait combien de temps que vous y travaillez? Environ 6 mois. Avant, j'étais à Augsbourg. À Augsbourg? Voyons la hauteur de votre flamme. J'ai passé des années à Augsbourg. Au début, je vendais des cigarettes. J'étais en mini-jupe et pas grand-chose en haut. Ensuite, serveuse. J'ai fait danseuse aussi. Ça faisait la blague. Pour Augsbourg, quoi. Et c'est là que vous avez connu Donat. Oui, c'était le patron. Un jour, il s'est absenté quelque temps. Puis il est venu ici. Et il a pris le cabaret. Il existait déjà avant lui. Bon. Essayez de nous trouver 2 tasses. 2 tasses. Et des petites cuillères. Des petites cuillères. Des preuves si vous en trouvez. Il y en a peut-être dans la chambre. Ah oui, c'est logique. Dans la chambre avec le frigo. Essayez. J'en ai trouvé une. Et voilà la seconde. Bon, ben, voilà. Allez les laver. Les laver. Ouais. Voilà, asseyez-vous. Des dents. Le type. Il s'est pris de bec avec Donat. Il vient aussi d'Augsbourg.
Il est ici depuis 4 jours. À quoi ça lui sert, tout ça? Ça, comment je le saurais? Faut qu'il laisse cette femme tranquille. Ce n'est pas son intention. Ah, et pourquoi? Il veut la récupérer. Oh, je sais, c'est pas très drôle. Mais je laisse les pleurs aux autres. Tu crois que demain il va revenir? J'en sais rien. Personnellement, je m'en fous. Si ça lui fait plaisir. Déjà debout? Je suis pas encore réveillée, alors parlez-moi tout doucement si vous voulez me dire pourquoi vous êtes là. Mais venez, quelqu'un veut vous parler. Ah, qui ça? Venez. Non, écoutez, mais j'ai pas envie de parler, et puis j'ai pas déjeuné. Nous vous offrons le petit déjeuner. Ah, ça fait partie de mon boulot de me faire inviter. Entrez. Bonjour, mademoiselle, montez. Ça fait aussi partie de mon boulot. Devenue intéressante pour vous? Oui, on ne peut rien vous cacher, surtout depuis que j'ai vu votre nom dans le dossier de votre patron. Il y a mon nom? Oui. Vous devez savoir qu'il est fiché chez nous, comme proxénète. Et vous voulez que je vous raconte ma vie, alors? Non. Juste ce qui est en rapport avec Donat. Hier soir, je lui ai déjà raconté comment j'avais commencé. Vendeuse de cigarettes, serveuse, danseuse. Et puis, j'ai été sa maîtresse. Je suivais et je couchais avec lui. 6 mois plus tard, je lui ai ramené de l'argent. Ça lui tombait tout chaud dans le bec, sans qu'il se fatigue. Faut être très doué pour amener une personne à faire ce qu'on veut. Et il est très doué. En plus, il n'a pas de problème de conscience. Ce mot-là, il connaît pas. Et celle qui est dans son lit finira aussi par faire ce qu'il veut. Ça prendra pas plus de 2 mois. Car il prend un plaisir certain à son petit jeu. D'autant plus que là, il y a un spectateur. Je parle de cet idiot de Marie. Écoutez, y aurait-il la moindre petite chance de contrecarrer les projets de Donat? Vous voulez que cette femme qui a perdu la tête revienne à la maison? Hmm? Oui, c'est Stéphane. Je t'appelais pour savoir comment ça allait après la petite séance d'hier soir. Ah, Stéphane. Mais il est quelle heure? Tu es encore couché, il est presque midi. Oui, je suis encore au lit. Mais je vais me lever. Tu sais, cette nuit, je me suis dit que si je me postais devant chez elle, j'aurais peut-être une chance. Tu dis qu'il est midi? Alfred, fais-moi plaisir, reste tranquille. D'accord? Fais ce que tu veux, mais ne te plante pas devant chez elle. Alfred, en agissant comme ça, tu te rends ridicule. Évite les leçons de morale, s'il te plaît. Jusqu'à preuve du contraire, je suis libre de faire ce que je veux. Tu m'écoutes? Tu es là? Qu'est-ce que je vais faire de lui? Il est complètement à la merci de ce cinglé de Donat. Oui, si seulement on avait de quoi le faire plonger, il faut trouver quelque chose.
Il est devant la maison. Laisse-le, il finira bien par se fatiguer. Allez, oublie tout ça. Ce soir, tu descends au bar. Je veux que tu sois très belle. Et je te présenterai à des gens intéressants. Apportez-moi un autre verre. Bien, monsieur. Eh oui, il est encore là. Tu sais qu'il m'énerve. Voilà, monsieur. Pas la merci. Et pourquoi? Et quoi, il règle rubis sur l'eau? Ça, c'est sûr, il paye. Tu sais pourquoi il passe ses soirées ici? Ça me paraît évident. Oh, c'est bon, gentil d'être venu. Vous pourriez pas lui dire de se barrer ailleurs? Ici, tout le monde sait pourquoi il est toujours là. On a te le dit à tout le monde. Il y en a pas mal qui se moquent de lui, d'ailleurs. Oh! Alors? Tiens, le verre, là, c'est pour toi. J'étais presque sûr que tu viendrais. Merci. Nous en avons appris un peu plus sur Donat. Raconte. Oui. Je te présente Monsieur Herbert de Düsseldorf et voici Monsieur Müller. J'en ai parlé l'autre jour, tu te souviens? Ne bouge pas, ne fais pas attention. Il veut juste te provoquer. Ingo, il est là. Oui, alors? Je ne peux pas rester tant qu'il sera ici. Très bien, si c'est ce que tu veux, inutile d'insister, on remonte. Allez, viens. Ce type veut ma peau. Et il va y arriver. Ce gars a une case en moi, il est complètement maso. Il devrait se lever et foutre le camp. Et oublier sa femme, c'est la seule chose à faire. Alors, vous payez votre tournée. Sinon, je risque de perdre la raison, moi aussi. Enfin, ce qu'il en reste, je tiens pas trop. J'aurais manqué à tous mes devoirs si je n'étais pas venu vous saluer. J'aimerais vous parler en particulier. Mais quand vous voulez. Tout de suite. Parfait. Merci. Bien, je vous écoute. Je vous en prie. Pardon, non, ça ira. J'aimerais que vous me rendiez un petit service. À la police. Oh, la police, arrêtez un peu de parler tout le temps de police. Je suis pas en service, vous le savez très bien. Écoutez, laissez partir cette femme. Mais elle peut s'en aller quand elle veut. Elle est venue ici avec moi de son plein gré. Et elle désire rester avec moi. Mais vous n'avez pas besoin d'elle. Soyons sérieux. Donat, nous sommes des adultes. Je suis persuadé que vous savez que j'ai compris à quoi vous jouez. Ah oui? Et à quoi joue-je? Vous faites tout cela par vengeance, parce qu'il vous a coincé, que vous avez été condamné à la suite de cela. Et aujourd'hui, il est complètement à côté de la plaque à vous regarder faire le fanfaron. Il est foutu, sans défense. Sans défense? C'est pas le souvenir qu'il m'a laissé? Vous cherchiez quoi? À l'humilier? C'est fait, vous l'avez humilié. Écoutez, arrêtez ce jeu ridicule et méchant. Dites à sa femme de rentrer chez elle. Rendez-moi service. Je suis sûr qu'elle ne sait même pas ce qu'elle fait ici. C'est très intéressant. Quand une personne fait quelque chose qui n'est pas de votre goût, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Agnès Ekel sait très bien ce qu'elle fait. Elle y prend même du plaisir. Je peux même dire qu'elle ne le fait que pour ça. Que voulez-vous, au juste? Que le monde soit comme vous le souhaitez, c'est impossible. Les gens veulent s'amuser, aimer, forniquer, boire et bouffer, quelle que soit leur catégorie sociale. Ce n'est pas moi qui les ai fait ainsi. C'est la vérité. Il y en a qui l'ont trouvé, d'autres qui cherchent encore. Rien ni personne ne peut changer ça. Quant à cet idiot, il peut venir chez moi chaque jour. Je me ferai un plaisir de lui amener sa femme pour qu'il sache ce qu'elle est vraiment. Maintenant, allez le retrouver. Et racontez-lui.
J'ai payé, on s'en va, Alfred. Oui. Là où ça? Non, je vais rester ici jusqu'à la fermeture. Écoute, viens avec moi sans faire de scandale, s'il te plaît. Allez debout. Viens, s'il te plaît, lève-toi. Oh. Bon, écoute, Harry, va dire à cette fille, comment elle s'appelle déjà? Simone? Oui, va lui dire que je l'attends dehors dans une heure. Et j'aimerais qu'on ne m'ouvre pas ensemble, hein? D'accord? Bon. Viens. Stéphane, Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. C'est pour vous cette fois ou pour votre camarade? Ni l'un ni l'autre. Je voudrais vous parler de quelque chose. Ah, de plus en plus intéressant. Oui. Et où est-ce que vous voulez qu'on aille? Chez moi, ça vous dit? Le café est excellent, à ce qu'il paraît. C'est la première fois que j'ai un client pour mon café. Allez-y, entrez. Par pitié, ne faites pas une crise cardiaque en voyant mon foutoir. Hein. Alors? Café? Vodka? Volontiers, oui. Que pensez-vous de Heckel? C'est une chiffre molle. Ah. En fait... On n'a plus l'habitude de voir un homme pleurer pour une femme. Pour moi, c'était plutôt l'inverse. Jusqu'à ce que je décide d'arrêter les frais. Oui, je vois. Ça vous est arrivé souvent? En quoi ça vous intéresse? Allez donc prendre la vodka dans le frigo. Oui, très bien. Excusez-moi, je vais peut-être vous paraître stupide, mais où est-il? Ah, dites donc, vous devriez pourtant être doué pour une perquisition. Oui, mais pas chez vous. Là. Là? Vous avez dû vous creuser la tête pour trouver comment aider votre ami. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Oh. Vous pourriez aller voir Madame Maker. Vous lui dites ce qu'il attend, vous êtes au courant de tout, non? Oh, mon Dieu. Vous ne connaissez pas ce genre de choses. Quand une femme en pince pour un mec, vous pouvez rien lui dire, rien non. Du tout. Elle refuse de vous écouter. Dans ce cas, prenons la seconde solution, parlez avec Donat. Avec Donat? Oui, amenez-le à dire la vérité. Quelle vérité? Ce qu'il veut faire avec elle, pourquoi il l'a fait venir à Munich, c'est pas une question de sentiment. Je suis sûr qu'il n'a pas l'ombre d'un sentiment pour elle. Amenez-le à vous le dire et qu'il vous le dise à haute voix, surtout. Qu'il le dise avec gloire, qu'il le dise de telle sorte que tout le monde l'entende bien. Pourquoi? Je veux faire en sorte que Madame Heckel soit là pour l'entendre. Sans se faire voir? Oui, sans se faire remarquer. Ça va se passer où, tout ça? Oh, dans son bureau. Ok. Ah, qui aurait cru qu'un jour je serais mêlé à un truc aussi dingue? C'est d'accord. Mais je joue le jeu à une seule condition. Dans le bureau, je vais être seule avec lui. Alors, soyez prêts à intervenir. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, qu'est-ce que je fais là? C'est aussi ce que je me demande. Donne-moi un verre. J'ai le téléphone intérieur.
Téléphone intérieur? Oui, Donat est là-haut. Oui, il n'est pas encore descendu. Il vient, ce verre. Restez là. D'accord. Reste là si tu y tiens vraiment, mais je veux que tu me promettes surtout de ne pas bouger d'ici. C'est promis. Bien. Merci. Oui? Qu'est-ce que tu veux? Je t'attends au bar. Descends, je voudrais te dire deux mots. De quoi tu veux me parler? Hein? Et ça peut pas attendre? Non. J'en ai seulement pour une minute. Bon, j'arrive. C'était le bar. Je descends. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te parler, Donat, mais en particulier. Viens, on va derrière dans le bureau. Qui est là? C'est Derrick. Madame Meikle, ouvrez la porte. Vous êtes seul? Je suis seul, oui. Pouvez-vous venir au bar avec moi? Je n'ai absolument pas envie de parler à mon mari. Votre mari n'est pas là, il est dehors, sur la place. Il est près de la fontaine. Je vous promets qu'il ne rentrera pas ici. Oh, on dirait qu'il se passe des choses ici. Pourquoi tu fermes la clé? Je préfère qu'on soit tranquille. Enfin, explique-moi ce qui se passe. De quoi tu veux me parler? Je voulais te parler de Agnès Seckel. Pardon? Depuis quand est-ce que tu te mêles de ma vie privée? Je fais ce que je veux. Pourquoi tu veux ruiner sa vie, Donat? Toi, t'as abusé de la vodka. J'ai pas bien entendu. Oh, si, t'as entendu. Je veux savoir pourquoi tu veux ruiner la vie de cette femme. Parce que je prends un pied formidable à voir la tête de son crétin de mari. Alors tu n'aimes pas Agnès Seckel? Hein? Du reste, t'as jamais aimé personne dans ta vie. Et tu aimeras jamais personne. Tu détruis les êtres. Moi, tu m'as complètement détruite. Et tu vas en faire autant avec cette femme. Parce que tu n'as jamais rien su faire d'autre. Tu me dégoûtes, Donat. Ouvrez cette porte. Ah.
d'accord, d'accord. T'aurais fait une bonne pute, c'est dommage. Je me suis bien marré avec ton mari. Qui m'a bien arrangé. Mais il n'y est pas allé de main morte. De toute façon, j'avais pas grand-chose à perdre. J'ai une question à vous poser. Qui a fermé la porte à clé? C'est moi qui l'ai fermée à clé. C'est moi, vous pouvez me croire. Discuter, c'était pas suffisant. Il fallait qu'elle voie ce qu'il attendait. Vous auriez fait un bon docteur. Side. I kiss your back side.